Donc, je vais vous faire juste une présentation sommaire de l'énoncé de l'examen intra numéro 1 qui concerne l'activation, le démarrage et la mise en marche avec paramétrage et configuration des modules d'Acomba ainsi que les composants qui constituent chaque module à activer. Donc, comme j'ai dit, la compagnie c'est Smart Security Services Inc. Il vous a recruté, vous a confié un superviseur qui vous a donné un premier travail basé sur des informations fournies. Il vous demande de faire des tâches que vous avez déjà étudiées au Cégep. Donc, parmi les tâches, il y a la création des fichiers dans le système comptable, la mise en marche, l'activation, le démarrage avec paramétrage et configuration des modules ainsi que leurs composantes. La création des comptes. Donc, je ne voulais pas que vous perdiez du temps. Donc, je vous ai donné déjà les comptes à créer ainsi que les comptes à modifier. Les informations fournies sont nécessaires pour réaliser les tâches demandées. Là, vous avez la date début exercice, l'adresse de la compagnie. La personne avec qui on va communiquer, c'est Monsieur Alami Alexandre. Les contacts téléphoniques, vous avez réception générale, service à la clientèle et le télécopieur, le fax. Courriel principal et site Internet, tous les produits commercialisés pardon, sont taxables à 100%, il n'y a pas d'exception de taxes. Le secteur d'activité dans lequel l'entreprise œuvre, c'est la vente au détail. Il a la banque et il a un compte bancaire ouvert chez la banque HSBC, donc deux comptes, un compte courant monnaie locale, le dollar canadien et le dollar, un autre avec le dollar américain. La famille des produits commercialisés, c'est la protection et la sécurité à domicile. Le produit commercialisé, je vous ai donné juste un seul, c'est le détecteur de vol et d'invasion à domicile. Vous avez le numéro, c'est-à-dire le code ou la référence, l'unité de mesure, quantité minimale et quantité maximale. On a deux vendeurs. On a Jack Drone et on a Tremblay Mona. Vous avez leurs coordonnées. Le produit commercialisé, vous le voyez à droite ici. Okay, donc, c'est un appareil que vous allez installer. Vous allez suivre tout ce qui est détection des invasions, soit en présence dans la domicile ou bien à distance via une application. Les territoires desservis avec code. Il y a Montréal et Sherbrooke qui sont c'est Tremblay Mona qui s'en occupe sur sa responsabilité. Il y a aussi Québec, les villes de Québec et de Gatineau sous la responsabilité de Jack qui s'en occupe. Les modes d'expédition utilisés généralement, il y a différents modes d'acheminement de la marchandise aux clients. Il y a FedEx pour les clients de Montréal, Payrolater pour les clients de la ville de Sherbrooke et Post Canada pour les clients de Québec et de Gatineau. Il y a des rabais accordés aux actionnaires, aux employés, grossistes, distributeurs, fournisseurs en cas de liquidation totale, Boxing Day. Fin d'année, achat en ligne et enfin achat avec un code de promotion. Il nous reste le client et le fournisseur. Le client à qui on vend et le fournisseur de chez qui on achète. Le client s'appelle Pro Security Inc. Il est à Laval. Vous avez le téléphone. La personne à contacter, Sophie Galipou. Les termes de paiement avec limite de la marge de crédit. L'expédition pour ce client, c'est
le client qui va s'en charger. Le transport est assuré, est à la charge du client. Pour le fournisseur, il s'appelle ProHome SOS Inc. Il est à Montréal. Nous avons le contact avec la personne avec qui on va communiquer, c'est Donald Poirier, et le courrier principal avec le site Internet. Les téléphones, vous avez l'administration, le service de vente, et enfin, vous avez le télécopieur. Les termes de paiement, c'est 2,10 intrants, 2% discount obtenu si on paie dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, sinon la facture est due maximum 30 jours. Le numéro du client dans la fiche fournisseur, c'est triple S 11 12 222. Donc, j'espère que tout est clair, j'ai tout expliqué. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Vous connaissez les règles de l'examen. Pas d'écouteurs, pas de téléphone. La caméra doit être activée en tout temps. Si vous avez un problème ou une urgence, il faut m'en aviser. Quand vous déposez votre travail, s'il vous plaît, il faut m'aviser pour justement s'assurer qu'il a été bel et bien déposé. Voilà. Donc, si vous avez des questions qui concernent la malcompréhension de quelque chose, vous n'hésitez pas à me le demander dans la boîte de clavardage. Voilà, donc je vous souhaite bonne journée et bon courage.